Alors, bon matin tout le monde. J'espère que ça va bien. Ce matin, tel que fidèle à mon habitude, je reçois une collègue Arbonne. Dans le fond, pour ceux qui n'ont pas écouté les vidéos précédentes, j'explique un peu le concept de l'émission. Donc, dans la vie, bon, alors je m'appelle Julie Demers, je suis conseillère indépendante avec Arbonne. Dans la vie, je suis orthophoniste. Mais ce que je disais tantôt secrètement hors d'onde, je disais à Marie-Ève, c'est que moi j'ai toujours rêvé d'être animatrice télé, donc j'ai décidé de créer mon entreprise, mais j'ai décidé de créer mon émission. J'ai appelé ça Deux filles le matin et je reçois à tous les matins de semaine une fille que je trouve belle, que je trouve inspirante. Mon intention, c'est vraiment de vous faire connaître tous les visages d'Arbonne qui sont différents. Tout le monde a son histoire, tout le monde a sa raison d'avoir choisi Arbonne. Et c'est ça, mon intention, c'est de vous les faire connaître. Donc, ce matin, je reçois la belle Marie-Ève Tétrault. Bon Bon matin! matin, merci tellement de m'avoir invité. Je trouve ça très cool comme concept. Oui. Alors, écoute, Marie-Ève et moi, on s'est rencontrés pour la première fois alors qu'on était à notre convention canadienne. C'était à Edmonton. C'était-tu l'année d'Edmonton? Ça se peut. Ça Ça se peut, se peut. hein? Non, je pense qu'on était Ou à Toronto? à On était Toronto. à Toronto. Ouais. On était à Toronto. C'était en 2018. Vite, ouais. Oui. Et nous autres, on s'est rencontrés parce qu'on faisait partie du top 10 au Canada pour la croissance organisationnelle de nos équipes. Puis là, on avait été reçus avec un super beau souper, tout glamour et tout et tout. Puis après ça, on est allé sur le stage pour être félicité devant tout le monde. Ouais. Et que, ouais, c'est cool ça. Moi, c'est tout. C'était un beau wow moment de ma vie, ça, effectivement. Oui, vraiment. Vraiment. Puis, on était assises à la même table pour souper, puis c'est là qu'on a appris à se connaître. Donc, Marie-Ève, ma première question pour toi, c'est dis-moi comment est-ce que tu as été introduite à Arbonne? Ben, dans le fond, c'est par l'entremise d'une amie. Elle m'a parlé que sa sœur, elle avait démarré son entreprise Arbonne il y a quelques mois. Puis, elle pensait que j'étais une très, très bonne candidate pour démarrer moi-même mon entreprise. Puis, tu sais, j'avoue que c'est vraiment la curiosité qui a été piquée en moi parce que sa sœur, je la connaissais un peu, mais je la connaissais assez pour savoir que Candide, là, c'est une femme qui avait pas besoin d'un revenu supplémentaire parce qu'elle avait déjà une grande carrière dans le monde de l'actuariat. Puis c'est une fille qui avait pas de temps, là. Tu sais, elle a deux jeunes enfants, donc ça a vraiment piqué ma curiosité. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé d'y jeter un petit coup d'œil. OK, parfait. Puis ça, c'était quand? Ça fait combien de temps? 4 ans et demi, c'était en novembre 2015. OK, Ouais. parfait. Écoute, on a démarré à peu près en même temps. Moi, j'ai démarré en décembre 2015. OK. OK, good. Fait que là, finalement, donc, tu es allé prendre un café avec Candide, c'est ça? Ben, même pas. Ça s'est vraiment Même pas. fait là, par l'échange de vidéos. On s'est parlé au téléphone parce que Candide habite Repentigny. Moi, j'habite Granby. OK. Donc, c'est ça. Ça s'est vraiment fait là, de façon plus virtuelle qu'autre chose. OK, parfait. Alors, à la mode À la 2020. mode d'aujourd'hui, oui. Puis au début, qu'est-ce que tu en as pensé quand tu as écouté ces vidéos-là, tout ça? Est-ce que tout de suite ça a cliqué ou tu Mais t'es pour dit. vrai, là, j'ai vraiment été charmée, moi, par Arbonne. J'ai trouvé OK. là, tu sais, que les produits avaient vraiment l'air super. Je trouvais que, tu sais, l'image, le branding de la compagnie était wow. J'aimais vraiment les valeurs que cette compagnie-là reflétait. Je trouvais que ça me rejoignait, là, tu sais, la politique d'ingrédients, leur côté là, éco-friendly, toutes les, tu sais, la transparence justement, puis l'honnêteté que la compagnie offre, là. Je trouvais ça vraiment, vraiment wow. Mais j'avoue que j'ai eu très, très peur au Okay. début. Okay. J'ai pas eu peur de ne pas réussir parce que moi, quand je fais quelque chose, je sais que je suis capable d'accomplir pas mal tout ce que je veux. Mais j'ai vraiment eu peur de ce que les gens allaient penser de moi. Fait qu'au début, ça a été ça, moi, pour mon gros questionnement à savoir est-ce que je me lance ou non. J'avais vraiment peur que les gens me trouvent quétaine.
avec mes petites présentations à domicile. Mais c'est ça, j'ai finalement, je suis là après 4 ans et demi, donc Visiblement, il y a quelque chose qui visiblement avait. passé par-dessus cette peur-là, puis je me suis lancée. Exact. Exact. Puis, toi, c'est quoi ton background, dans le fond? Tu faisais quoi avant tout ça? Moi, j'ai une formation comme enseignante au primaire. Donc, après mon bac, j'ai travaillé quelques années là, comme enseignante, mais j'ai aussi eu 3 enfants en 5 ans. Hey, mon Dieu, on a des parcours tellement semblables. Moi Oui, aussi, j'ai 3 enfants, 5 ans. Puis moi aussi, je travaille en milieu scolaire. ben oui, c'est Vas-y. ça, orthophoniste. Donc, c'est ça. Le milieu d'enseignement, tu sais, j'ai aimé ce métier-là. Mais j'avoue qu'avec la naissance de mon troisième, là, puis en ayant 3 jeunes enfants en bas de 5 ans, là, je ne voyais pas la routine quotidienne de la même façon. Là, je me voyais très mal aller travailler le matin, puis aller porter mes enfants très tôt à la garderie, puis revenir tard le soir. De toute façon, vous la connaissez, là, cette routine-là, le métro, boulot, dodo. Je me voyais pas le faire, puis j'avais pas envie de me rendre justement au bout du rouleau, puis d'être essoufflée. Je sais très clairement que t'sais, ma famille, mes enfants, mon mari, moi-même, t'sais, notre santé familiale aurait eu des impacts majeurs. Puis j'ai aussi un gros background, moi, tout ce qui est danse puis entraînement. Ça faisait 2 ans que j'avais un petit peu mis de côté justement la danse puis le workout, vu justement les enfants. On a chacun nos priorités. Puis, dans le fond, on a décidé avec mon mari que je prenais une sabbatique. Fait que j'ai prolongé mon dernier congé de maternité. Fait que, tu sais, j'étais déjà comme un petit peu en questionnement là, à savoir qu'est-ce que je faisais. J'ai remis l'entraînement dans ma vie, donc j'offrais plusieurs cours chaque semaine. Ça fonctionnait super bien, là, mais c'était quand même pas suffisamment pour en vivre là, à 100%. Donc, dans ma tête, je retournais en enseignement là, suivant ma sabbatique. Et c'est justement là Carbone est arrivé dans ma vie, que Candide m'a parlé de cette opportunité-là. Oh, je ne sais pas si c'est moi qui est gelée. Je ne t'entends plus, Julie. C'est comme un incontournable. OK, t'es Ah revenu. oui, OK, Donc, on est là. oui, on est là, on est revenu. T'étais dans ta sabbatique quand Candide t'a parlé d'Arbonne. Ouais, exact. Parfait, super. Fait que finalement, t'es-tu retournée travailler? Pas à temps plein. Non, OK. ouais, je suis retournée. J'étais là. 2 ans, vraiment, ma sabbatique plus une année supplémentaire où je n'ai pas travaillé. Ensuite de ça, OK. j'y suis retournée, mais vraiment à 60%. Je travaillais 3 jours par semaine. Puis depuis maintenant 2 ans, j'ai officiellement donné ma démission de mon poste à la commission scolaire. Ok, c'est cool ça parce que je dis c'est cool dans l'idée que tu avais le choix de faire ça. Parce que tu sais, quelqu'un qui adore sa job d'enseignant puis qui se sent super bien là-dedans peut absolument combiner une carrière avec Arbonne puis une carrière en enseignement. Il y a aucune contre-indication. Mais la beauté, c'est que c'est ça que ça donne. C'est que tu peux choisir, OK, moi, je préfère, souvent, qu'est-ce que tu préfères? Ouais, vas-y donc, dis-moi donc, qu'est-ce que tu as préféré? Pourquoi tu as choisi de quitter l'enseignement puis de travailler juste avec Arbonne? Ben, c'est vraiment la flexibilité, là. Tu sais, de pouvoir être travailleur autonome, veux, veux pas, ça m'offre la flexibilité d'être avec mes enfants quand c'est important. Puis, tu sais, j'ai tout le temps voulu, moi, être, tu sais, la maman, là, qui est tout le temps disponible pour les activités, puis qui accompagne, puis qui fait des petits cupcakes pour la classe, là. Ben, ça a toujours été un rêve pour moi de pouvoir offrir ça, justement, à mes enfants. Donc, aujourd'hui, je peux fièrement dire que je suis la maman aux petits cupcakes. Bravo. C'est vraiment pour ça, tu sais, c'est la flexibilité que ça offre, puis le fait de pouvoir, tu sais, j'ai vraiment une passion pour l'entraînement, pour le bien-être, pour, tu sais, les saines habitudes de vie que, justement, je peux mettre encore plus de l'avant en étant entraîneur et conseillère Arbonne. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de cet aspect-là, parce que souvent les gens pensent qu'Arbonne, c'est des crèmes et des rouges à lèvres. Fait que oui. On a des crèmes et des rouges à lèvres, mais Super rouge à lèvres des super beaux rouges à lèvres d'ailleurs. qu'on a qui sont Toujours. nouveaux. C'est ça?
Mais j'aimerais ça que tu nous parles du côté plus santé, alimentation et tout ça. Qu'est-ce qui te passionne, toi, là-dedans? Puis en quoi ça vient te rejoindre? Bien, c'est sûr que le volet nutrition est super intéressant avec Arbonne parce que, tu sais, comme tu as dit, oui, on a tout ce qui était cosmétique, mais il y a vraiment la portion supplément qu'on peut offrir justement un vaste éventail de clients. Puis, tu sais, moi, en étant entraîneur de cours de groupe, justement, les gens veulent prendre soin d'eux, ils veulent mieux manger, ils veulent, tu sais, retrouver un certain équilibre ou bien retrouver un peu la forme. Fait que, tu sais, avec ces produits-là, on peut vraiment le faire, là. Puis, tu sais, quand, moi, avec Arbonne, de ce que j'ai appris là, avec le temps, j'ai vraiment une confiance absolue avec les produits parce que je sais justement que c'est un no-brainer. Je sais que quand je prends ma protéine Arbonne, mais je sais que tout ce qu'il y a dedans va être sain pour ma santé. C'est ce que je peux offrir justement aux gens. On n'a pas à se questionner à savoir si nos ingrédients sont bons, t'sais, sont sans sucre, sans édulcorant, sans gluten, sans édulcorant, colorant artificiel. Fait que, t'sais, tout est vraiment génial, là. Donc, on ne se casse pas la tête, on sait ce qu'on consomme puis ce qu'on conseille est sain pour les gens. Donc, dis-moi donc, là, c'est sûr que tu m'en parles sans. Tu sais, qu'est-ce Carbone a apporté de plus dans ta vie que tu pouvais pas te permettre avant, tu sais? La flexibilité, Oui, visiblement. visiblement, moi, ça a été le temps. C'est vraiment le temps, là, d'être avec mes enfants. Parce que, tu sais, avant Arbonne, j'avais soit du temps parce que j'étais en congé de maternité ou soit de l'argent parce que je travaillais à temps plein. J'avais jamais eu les deux en même temps. Alors, ce que j'adore de ce modèle d'affaires-là, c'est justement la possibilité d'avoir cette flexibilité d'horaire-là. Puis justement, de pouvoir être à la maison, puis d'avoir sa vie aussi professionnelle. Parce que je me suis aperçue que juste à la maison, j'étais bien comme une maman, j'adorais mon travail de maman, mais il me manquait un petit côté, là, plus justement, là, pouvoir se mettre belle, puis sortir, et côté professionnel, là, finalement, qui me manquait. Donc, c'est sûr qu'avec Arbonne, je peux me balancer des deux côtés. Donc, tu sais, j'ai la femme, la maman qui est comblée, mais j'ai aussi l'entrepreneur, la femme d'affaires qui va chercher ces besoins-là, là. Puis tu sais, le fait aussi de pouvoir continuer à rêver. Tu sais, j'avais vraiment arrêté de rêver, puis je sais que je suis pas la seule. Tu sais, je me suis réveillée à 30 ans, là, j'avais trois enfants, une minivan, une maison, tu sais. Fait que la routine, les paiements qui arrivent vite. Fait que c'est sûr que pour nous, là, voyager, j'ai une belle-fille aussi, donc on est six à la maison. Tu sais, aller à Walt Disney à six ou prendre l'avion à six, c'est juste même se payer une chambre d'hôtel à 6, ça coûte cher. Donc, pour nous, là, tu sais, le mot voyage, là, ça faisait même plus partie de mon vocabulaire. Mais vraiment, là, avec Arbonne, depuis ça, 4 ans et demi, ben, je peux remettre, tu sais, me remettre à rêver puis à avoir justement un avenir plus prospère, là, pour toute la famille. Quelles sont les valeurs que tu penses que tu es en train de transmettre justement à tes enfants? La persévérance, le fait d'oser. C'est ça, pour moi, c'est super important parce que je sais que mes enfants sont encore petits. Là, tu sais, aujourd'hui, ma plus grande a 9 ans, puis mon plus petit a 5 ans. Donc, tu sais, je sais qu'ils me regardent, puis je sais que le fait que moi, j'ose, ben, je vais leur permettre un jour qu'eux aussi puissent oser. C'est leur montrer que, justement, là, passer par-dessus nos peurs, passer par-dessus nos jugements, aller jusqu'au fond des choses, se démener, travailler fort, mais, tu sais, avoir du plaisir dans ce qu'on fait, c'est vraiment tout ça que je veux, que je souhaite, finalement, que mes enfants puissent faire éventuellement. Comment tu penses pouvoir faire une différence dans la vie de d'autres personnes? Puis, tu sais, c'est qui ces personnes-là? Bien, Et c'est sûr. pourquoi c'est important? Oui, ben oui, c'est important. C'est sûr, là, tu sais, dans le fond, c'est sûr qu'au départ, quand j'ai démarré mon entreprise Arbonne, c'était d'une manière très, très, très égoïste, là. C'était purement pour m'aider, moi, aider ma situation familiale. Mais, tu sais, quand j'ai vu l'impact qu'un revenu supplémentaire pouvait avoir sur notre qualité, justement, de famille, qu'on pouvait justement se payer un petit peu plus d'extra, puis de gâterie, ça a fait toute la différence. Moi, ça a fait un déclic que je me dis, mon Dieu, il faut absolument que j'en parle autour de moi, puis que je partage ce cadeau-là, justement. Puis, non, je perds le fil, où est-ce que je voulais m'en aller avec ça? Mais comment faire une différence dans la vie des autres? Oui, bon, c'est ça.
Donc, tu sais, c'est sûr aussi avec le fait d'aider d'autres entrepreneurs à démarrer leur entreprise. Donc, pour moi, je trouve ça super gratifiant de pouvoir, tu sais, conseiller, guider. Même chose avec mes clients, tu sais, le fait de, tu sais, veux pas, là, les produits sont tellement efficaces qu'on change parfois l'apparence, là, des gens. Donc, ça aussi, ça peut faire toute une différence sur, tu sais, leur confiance en elles. Donc, ça a un impact positif aussi, le fait d'utiliser des produits plus sains qui sont bons pour leur santé. Puis, tu sais, moi, dans le fond, j'avais choisi d'aller en enseignement. Ma carrière première, j'avais choisi l'enseignement parce que j'ai toujours voulu faire une différence dans la vie des gens. Ça a toujours été mon besoin profond, là. Puis, je m'aperçois qu'avec Arbonne, je le fais, mais d'une autre façon. Tu sais, on me demande des fois, là, est-ce que tu t'ennuies de l'enseignement? Puis ma réponse, c'est tout le temps non. Parce que j'ai l'impression que j'enseigne toujours. C'est juste que j'enseigne différemment, puis à différentes personnes. J'aimerais ça que tu nous expliques comment on fait pour gagner du temps. Tu sais, parce que tu dis ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai plus de temps. Puis ça, c'est quelque chose que souvent les gens comprennent pas bien. Ils disent, ben voyons, tu sais, tu te rajoutes une business en plus de tout ce que tu as. Pas vrai que Oh my God, tu. je m'excuse. C'est pas grave. J'ai mon petit stand de téléphone qui commence à être fatigué là, avec tous mes cours en ligne. Je m'excuse. Non, c'est pas grave. Donc, ben oui, c'est sûr que, tu sais, ce qui est super plaisant avec cette business-là, c'est justement, c'est que on a de la duplication. Tu sais, le fait de pouvoir transmettre puis de guider d'autres femmes puis d'autres hommes à démarrer leur propre entreprise, mais c'est qu'éventuellement, ils deviennent des conseillers indépendants. Donc, tu sais, chaque personne est propriétaire de sa business puis va justement faire les mêmes. Tu sais, dans le fond, moi, je leur montre une méthode de travail puis eux vont répéter cette méthode de travail-là et éventuellement, eux aussi vont montrer à d'autres personnes. Donc, le fait d'avoir ce genre de levier-là, tu sais, l'effet de levier qu'on retrouve dans les grandes entreprises, bien, on peut le retrouver avec Arbonne. C'est ce qui nous permet justement de générer des revenus assez intéressants puis qui peut nous permettre d'avoir justement une belle flexibilité là. Oh non, on t'a perdu! Oh non! Bon, ben, je vais continuer. J'espère que Marie-Ève va pouvoir. Ah! T'es revenue! OK, c'est bon. Attends un petit peu, je vais te remettre en. OK, Je m'excuse. Mais non, c'est correct. J'espérais vraiment que tu sois capable de revenir. Je vais tenir mon téléphone, là. Je pense D'accord. que mon stand, il veut plus. Il veut plus. J'aimerais juste savoir où est-ce que tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Ben, c'est sûr que ça, c'est une question que je trouve difficile à répondre. Mais ce que je peux te dire, par exemple, c'est que je me vois prospère, je me vois heureuse, je me vois accomplie, je me vois avec la tête pleine de projets, parce que je suis une fille aux mille projets. Et tu sais, c'est sûr que je me vois au plus haut sommet de cette entreprise-là parce que je sais que j'en suis capable. Je me vois justement avec mes enfants pouvoir voyager, pouvoir leur montrer, tu sais, autre chose, puis de pouvoir impacter encore plus de vie là, que. Parce que c'est ça, hein, des fois les gens, tu sais, la liberté financière, moi je pense que c'est, ben moi je suis pour l'abondance, je suis une grande fan d'abondance, puis je crois que tout le monde mérite l'abondance, puis tu sais, dans le fond, l'abondance que ça permet de vivre plus d'expériences, tu sais, puis d'avoir une vie plus riche, c'est ça, tu sais, qui nous permet de vivre plein de choses qu'on n'aurait pas vécues si on n'avait pas eu cette abondance-là. Exact. Moi, je rêve de me réveiller chaque matin, les pieds dans le sable. Oui, exactement. Puis de pouvoir choisir où tu te lèves le matin, tu Exact. sais, avec qui. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Écoute, Marie-Ève, je vais te laisser le mot de la fin. As-tu un call to action, un mot de la fin pour les gens qui nous regardent? Mais moi, je pourrais juste vous dire, osez. Si ce n'est pas avec Carbone, ça peut être avec autre chose. Osez croire en vous, osez croire en vos capacités, parce que l'être humain là, a tellement une grande capacité d'adaptation.
c'est capoté. On le voit là, justement avec le avec cette période de COVID où on est tout en période d'isolement. Et ça permet justement peut-être nos esprits créatifs là, d'être plus présents. Donc, osez faire ce que vous avez toujours voulu faire, puis ayez du plaisir là-dedans. Oh, merci Marielle. Écoute, merci infiniment pour ton temps. Ben, merci Merci à toi. pour ta belle énergie. Puis écoute, j'espère vraiment que les gens vont, c'est ça, vont oser faire tout ce qu'ils ont déjà, tout ce qu'ils ont toujours voulu faire. Parce que c'est ça, le bonheur est là-dedans. Puis moi, je pense que le bonheur est dans le progrès aussi, dans avancer, faire des nouvelles Ça, c'est tout. T'as pas besoin d'être parfait du premier coup, hein? Notre téléphone peut tomber en plein milieu d'un live, là. Ça se peut, ça. affaires. C'est bien correct. Alors, on se laisse là-dessus. Merci, Merci beaucoup. merci, merci. Bisous, à la Bye. prochaine.